Chers amis de Judaïsme en mouvement, Shalom, le monde traverse en ce moment une crise, une pandémie, comme nous le vivons chaque jour. Cela entraîne des effets dans la vie économique, la vie sociale, la vie éducative et aussi la vie religieuse, la vie en particulier dans nos synagogues. Nous approchons des grands rendez-vous du mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, suivi de Sukkot. Et à chaque fois, ce sont de grands rassemblements, notamment Rosh Hashanah et Kippour. On pense à Kol Nidre ou à Neila, où nous sommes si nombreux. Alors cette année, évidemment, ça sera un peu différent. C'est un peu différent déjà depuis février 2020, à propos de Pessah, où on a été obligé de trouver cette solution quand même qui est miraculeuse, qui est la vidéo, l'internet, le streaming. Donc, chers fidèles, restez solidaires de la communauté, s'il vous plaît. Soit vous venez aux offices, Rosh Hashanah, Kippour, toutes les mesures seront prises pour respecter les règles sanitaires. Et si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas venir, eh bien sachez qu'il y a le streaming. Évidemment, ce n'est pas la même ferveur de suivre un office de Rosh Hashanah ou de Kippour devant un écran, mais comme dit le Talmud, Anus Rahamana Patre, lorsqu'on se trouve dans des situations difficiles, on doit trouver des solutions adaptées. Donc j'espère que on aura l'occasion de se voir, ou vous aurez l'occasion en tout cas de nous voir si vous ne venez pas, mais vous suivez en streaming. Merci de rester fidèles en tout cas, et de cotiser la communauté, parce qu'on en a besoin aussi pour faire fonctionner toute cette structure importante de judaïsme en mouvement. Et je suis sûr que nous pouvons compter sur les uns et sur les autres, sur les unes et sur les autres. Et en mon nom personnel, au nom de tous mes collègues, bien je vous souhaite Shana Tova Mevorechet, une année bénie, sans maladie, une année de bonheur, de réussite, et qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible dans nos synagogues en ayant oublié ce Covid. Voilà, à très bientôt. Shalom à toutes et à tous. Shana Tova.